Vous, hein, j'étais très inquiète, hein, car en réalité, j'ai testé sur vous une nouvelle technique. Ah, parce qu'ils ont le droit maintenant dans les couvents de faire ça. Mais lorsque j'étais à l'école de kiné, j'avais inventé une nouvelle technique. Et mes professeurs, franchement trouillards, me l'avaient hautement déconseillée, pensant qu'elle était beaucoup trop risquée pour l'intégrité physique de mes patients. Et vous avez failli m'assassiner? Mais non! Au charisme, vous savez bien que je vis sous la protection divine. Ah bah vous oui, et pas moi. Ceci étant, j'ai bien senti tous les bienfaits de ma méthode sur votre corps. Ah ça pour de l'effet, ça a fait de l'effet. Hein. Eh, je suis sœur, mais n'en suis pas moi-même. Et j'ai bien détecté ce petit déclic rendu par des pilules qu'on dit de couleur bleue chez les hommes. Mais ça, ah, nous sommes au Moyen-Âge. Et puis quand bien même nous y serions... Ah, mais silence, enfin, n'arrive pas à me concentrer sur ma lecture. Eh, normalement, ma méthode se déroule en 5 séances. Oh, tu vas tout de suite pour la deuxième? Ah, ben non, 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 voyez-vous, j'ai un débriefing à faire avec la mère supérieure. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie. Être aimée. Arrête, Elodéa, tu vois bien que mes mères sont en pleine concentration. Bah, dis donc, le monde des couvents a bien changé depuis mon enfance. Ah, bah ouais, dis donc, t'as raison. Et puisque tout le monde est là, je crois qu'on va pouvoir commencer, hein. Ah, bah non, moi, franchement, ça veut dire qu'il y a des vacances, c'est des vacances. Allez, viens, Dominga. On va s'entraîner, s'amuser, bien, bien. Mais mon père ! Eh ben, c'est qu'il a aimé nous, grâce. Ah ben oui. Allez, allez, les sœurs, nous avons une petite réunion à faire. Plus vite elle sera faite, et plus vite vous serez libre. Bon, bah, puisque c'est ça, je vais repasser d'ici soir pour voir si mes lombaires sont encore aussi douloureuses. Bah alors, mon Jaco, tu laisses tes clients seuls à rentrer? Mais non, Ludwig, tu sais très bien que je ne suis jamais très loin de mon accueil, voyons. C'est pour le métier du fait, mon Jaco. Toujours à la solde d'une hypothétique clientèle dont tu pourrais le chef renvoi. Mais ça, nous avons un énorme problème. Surtout, ne vous retournez pas en direction du comptoir. Il y a notre archevêque, le père Raphaël, qui est là. Et en plus, ça doit être vrai, car il ressemble à la photo qui est sur le bureau de la mère supérieure. Au nom d'un chien, si jamais il nous voit, c'est dingue, comment dire que c'est lui. Mais hé, il n'est même pas mieux habillé que nous, à ce que je vois. Il a dû prendre un sous-peinture sur la tête, il aurait été obligé de se changer lui aussi. Hein. Mais ceci dit, hein, c'est lui, c'est notre chef. Surtout que c'est lui qui fait le chèque, hein. Ouais, il aurait quand même pu trouver autre chose comme fringue. Ça fait brigand grand chemin sans costume. Oh, pauvre homme, le voilà rabaissé au commun des mortels. Et bien surtout, que personne ne bouge. Eh, pourquoi c'est à nous de nous cacher? Eh, mais dis, t'as vraiment envie qu'il nous voit dans notre tenue? Ouh là 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 là, non. Oh, oui, comme tu dis, notre tenue pour un chantier. Tu sais, mon Jaco, faut que je te dise quelque chose de très important. Oui, peut-être. Eh bien, oh, pour ce foutu portable, bon, je change de pièce car ici, je ne capte rien du tout. Et j'ai un compte à régler avec un des paroissiens. Et je peux dire qu'il n'a pas l'emporté au paradis, son flouze. Prends le bas de combat. Tout le monde part. Et va dans sa chambre et à toute vitesse. L'ennemi est parti, profitons-en. Ah,